Eh bien bonjour les amis, comment allez-vous dans cette nouvelle vidéo? Bah moi ça va super bien, enfin comme toujours en fait. Les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale parce que tout simplement c'est la première fois que je fais ça. On va faire un petit canular, voilà, on va faire un petit canular, on va appeler les gens en se faisant passer pour Titeuf et Hugo. Hugo normalement, hein, parce que je sais imiter Titeuf genre comme ça là maintenant, voilà. Et je sais aussi imiter Hugo. Hé hey, Titeuf, ça te dirait d'aller au City? Enfin voilà, enfin c'est juste une... un exemple. Donc les amis, aujourd'hui on va appeler des gens en inconnu et on va se faire passer pour Titeuf. Et bah c'est parti, on va pas perdre de temps, on va directement appeler les gens, hein. Mon téléphone il est juste là. Et je suis en train de paniquer, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors je vais lire mon ordinateur parce que j'ai un peu noté ce que je devais dire, mais j'espère que ça va marcher. C'est parti, ça sonne, je mets un haut-parleur. Ouais, bonjour madame, enfin monsieur, c'est Titeuf à l'appareil. D'accord, donc ça, c'était un vent hyper violent. C'est trop marrant mon gars. Les gens, ils en ont... Eh, mon cœur, il bat 1000 à l'heure, c'est ouf. Attendez, eh, alors on recommence. Ok, on appelle le deuxième numéro. Bon, le premier c'était un vent, hein, mais bon, on va essayer de gérer. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour monsieur, c'est Titeuf à l'appareil, je vous dérange pas, j'espère. T'es qui? Bah, je souhaite Titeuf, vous connaissez pas? Comment? Je souhaite Titeuf, vous connaissez pas Titeuf? Mais ça marche pas aussi, mon gars, ça marche pas! Y'a personne qui veut parler avec moi, enfin, il avait commencé, hein, mais... Bon, continue, c'est pas grave. Ouais, bonjour madame, c'est Titeuf, je vous dérange pas, j'espère. Ah, écoute, t'es gentil, bon, vous m'entendez bien, madame? Monsieur, c'est monsieur ou madame? Oui. C'est monsieur ou madame? Bonjour. Ouais, bonjour, mais est-ce que c'est monsieur ou madame? Pour l'instant, c'est madame. D'accord, excusez-moi, est-ce que je vous dérange ou pas? Bah, ça dépend ce que vous voulez. Bah, en fait, je vais vous expliquer. Bah, en fait, c'est urgent, je suis avec mon ami, genre, depuis tout à l'heure, on s'amusait, et d'un coup, il y a quelqu'un, il venait nous attraper comme ça, et il nous a traité de zézé sexuel. Du coup, bah, moi, avec mon pote, on s'est dit que ça se faisait pas, et ouais, c'est vrai, en plus, madame, je vous jure. D'accord, donc elle en a eu trop marre, mon gars. Mec, c'est galère, en vrai, c'est galère, c'est un truc de fou. Ouais, allô madame? Ouais, bonjour madame? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui? Ouais, bonjour. Je vous dérange pas, j'espère? Non? Ok. Qui, monsieur? Je suis Titeuf. Titeuf, vous connaissez peut-être ou je sais pas? Non? C'est pas du fake, madame? Madame? Oui? Oui? Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, alors en fait, c'était pour vous dire que, bah voilà, j'étais avec mon ami Hugo dans la rue et il n'y a pas mes parents en fait. Du coup, il y a un monsieur, d'un coup, il est arrivé, il a voulu nous pourchasser, mais je sais pas ce que vous voulez, j'ai prévenu les voisins, enfin, il y avait des gens à côté de nous, avec un chien, mais ils ont pas... Vous avez comment mon numéro, monsieur? Ah bah, je sais pas, j'ai appelé quelqu'un en plus, parce que c'est vraiment dangereux, et j'ai vraiment peur, hein, madame, je vous jure. Je vais vous laisser, hein, monsieur, au revoir. Non, 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 madame, s'il vous plaît, madame. Mais marrant, c'est waouh. Au moins elle a répondu. Au moins elle a répondu et elle a dit qu'est-ce qu'il y a, comment vous avez vu mon numéro? Bien joué, bien joué. C'est trop marrant, mec, je kiffe. Allô? Ouais, bonjour monsieur, je vous dérange pas, c'est Titeuf à l'appareil. Allô? Comment? Oui. Ouais, bonjour, est-ce que je vous dérange ou pas? Ouais, en fait, j'ai un petit problème, en fait, parce que je suis dehors tout à l'heure, et en fait, il y a un monsieur, il veut m'enlever, mais je sais pas comment faire, là, je suis caché, et j'ai vraiment peur. J'ai rien compris. Je suis dehors, j'ai joué au foot dans un stade de foot, enfin, dans un petit stade, et il y a quelqu'un, il veut m'enlever, mais je sais pas quoi faire, là, je suis bloqué. Et je rigole pas, monsieur, c'est vrai, je sais pas, j'ai appelé un numéro au pif, je suis désolé de vous avoir dehors. J'ai rien compris ce que
que vous me racontez? Répétez, calmez-vous, dites-moi. Ouais, en fait, je jouais au foot dehors et il y a un scooter, il s'est arrêté. Je vous appelle, je suis désolé monsieur, je vous appelle, mais sur un numéro au pif. Il y a un scooter, il s'est arrêté et je jouais au foot. Oui. Il m'a fixé comme ça, du coup, moi je le regardais pas, je continuais à jouer. Et il m'a dit, tu veux que je te ramène chez toi? Donc, moi j'ai dit non, j'ai dit, je reste là. Et il a commencé à descendre de son scooter et il a commencé à venir vers moi. Du coup, moi, j'ai laissé mon ballon et je suis parti en courant. Mais là, je suis caché derrière des arbres et j'ai vraiment peur. Genre, je sais pas quoi faire. J'ai appelé un numéro au pif et je sais pas si je dois appeler la police. Et pourquoi vous l'appelez la police? Parce que je sais pas, je le connais pas et je tremble là depuis tout à l'heure. Et je sais pas. Et... Si vous le connaissez pas, y a pas de risque. Mais le mec. Son courage à demain. Le mec, que je le connais il pas, il a. Mais non. Vu que tu le connais pas, y a pas de risque. Il te connaît pas, donc y a pas de raison. Monsieur. Y a pas de moudre. Monsieur, je vous jure, il me fait peur en plus. Il est descendu de son scooter comme ça. Mais c'est ça que c'est, il faut pas avoir peur. Il faut prendre ses couilles et y aller. Monsieur, vous savez quel âge que j'ai? Monsieur, j'ai 12 ans, il avait un scooter et il est vraiment bizarre. T'es un grand garçon? Ouais. Zizou ou pas? Comment? Bon alors, t'es un zizou ou pas? Comment? T'es un zizou, oui ou non? Ouais. Ah voilà. Quand t'es un zizou, tu prends le manche et tu avances. Ouais, ça marche. Marcel, monsieur. Marcel, monsieur. Bonne journée. C'est mort de rire, gros. Mais je le kiffe, ce gars. Je sais pas comment il s'appelle, mais... Ce gars, je le kiffe. Ça se voit, c'est un bon gars, lui. Il m'a conseillé tout, mon gars. Je suis trop content, je suis trop ravi, mon gars. Cœur sur lui, cœur sur lui, cœur sur lui, cœur sur lui. Je t'aime. Je sais pas qui tu es, mais je t'aime, gros. Je t'aime. C'est la fin de cette vidéo. Ça répond pas. Le dernier numéro n'a pas répondu. Du coup, voilà. Il y a 6 personnes qui ont décroché, donc c'était cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un petit kiff pour moi. Ça m'a fait plaisir et j'espère que ça va vous faire kiffer aussi. Voilà. Merci d'avoir regardé. De gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Gros bisous. Ciao.